Les Maliens interrogés se disent inquiets face à un avenir incertain pour les habitants de ce pays, théâtre de nombreuses attaques djihadistes. Celles perpétrées ces trois derniers jours suscitent condamnation et frustration au sein de la population. Nous sommes très inquiets parce que d'autres attaques ne sont pas à exclure dans cette zone-là. La zone est fortement menacée. Le camp de Mondoro, proche de la frontière avec le Burkina Faso, a été à plusieurs reprises par le passé la cible d'attaques de groupes djihadistes. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière rapportée contre les forces maliennes depuis plusieurs mois. Le camp se trouve dans l'un des principaux foyers de la violence qui partit du nord du Mali avec des insurrections indépendantistes et djihadistes en 2012, s'est étendue au centre du pays, puis au Burkina et au Niger voisins. Bon, vraiment, la situation est très critique, il faut reconnaître. Aujourd'hui, on ne sait même pas que dire, on ne sait même pas que faire. Tout le monde entier voit la situation aujourd'hui à Mondoro. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait 3 ans, nous sommes dans la même situation. Il y a des mines qui explosent à tout moment. Il y a nos parents qui meurent les jours ou le lendemain, ainsi que les femmes. Vraiment, ça ne va pas, il faut reconnaître. D'autres attaques sont à craindre dans ces zones hautement menacées, car selon les habitants, l'ennemi est en perdition et sans relâche. C'est triste ce qui s'est passé à Mondoro, mais il fallait s'y attendre. Parce que nous sommes face à des gens à la limite invisibles. Nous sommes face à des gens appelés terroristes qui sont là et qui sont en perdition, donc prêts à tout pour se défendre. Cette attaque survient en pleine reconfiguration militaire. La France et ses alliés européens au sein du regroupement des forces spéciales Takuba viennent d'annoncer leur retrait militaire du Mali.